on s'arrête là. T'es content? Oui, oui. Bip, bip! Quoi, quoi, il a des cheveux, lui? Ouais, il a des cheveux, il a des cheveux. Bill, tu vas bien? Oui, je vais bien. Il est très ressemblant, ce petit bonhomme, surtout le nez rouge. Bon, ça y est, c'est la fête à la grenouille. Le public, soyez les bienvenus sur Pierre du 107. Merci, Bill. Merci, les filles, hein, vraiment. 5000 à Big Deal, 5000 francs avec un coup de téléphone. Tiens, tu le mettras au rétroviseur de ma voiture, ça sera pas gênant du tout. Je vous propose tout de suite d'accueillir notre premier candidat pour le premier deal. Il s'agit de Didier. On est parti pour le premier deal. Merci, les filles. Salut Didier. Bienvenue. Salut Didier. Vous nous arrivez d'où, Didier? Sur Rennes. Sur Rennes. Ouais. Juste à côté. Un voisin. Ouais, ouais. Vous êtes venu tout seul? Non, non, je suis accompagné, ma famille, Madame, ma femme et mes deux petites filles. Et les deux petites filles. Salut, ouais. Les filles, elles sont charmantes. Hein. Ça va, les filles? Faites quoi dans la vie? Je suis employé de banque. Très bien. Vous voulez rajouter quelque oui, chose? Oui, je voulais dire que j'ai un petit garçon également de 3 mois, mais qui n'est pas là, bien sûr. D'accord. Donc, voilà. Il s'appelle Maxence. Maxence, très joli. Je salue. Ouais, croyez-vous en les signes de l'astrologie ou vous y référiez-vous de temps en temps? Ça m'arrive, oui. Oui, 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 oui. Je vous propose, vous êtes de quel signe, vous? Balance. Vous êtes Balance. Ouais. C'est marrant, cette coïncidence. C'est un bon signe, ça. D'abord, c'est un très bon signe, relativement indécis, mais bon signe. Mais ouais. C'est marrant avec la balance parce qu'on va jouer avec le signe de la balance. Ça tombe bien. C'est ouais. Dingue. Ouais, je suis sûr que si vous aviez été scorpion, on aurait joué avec un signe scorpion, par exemple. Voyez. Ça moi, par bien, exemple, ouais. Qui suis scorpion. Hein ouais. Allez, scorpion. Allez, scorpion dans la salle. Ouais. Ah bien, monsieur scorpion. Scorpion. 142 kilos. Ouais, 142 kilos, le scorpion. Puis c'est lui qui fait gaffe à ne pas t'écraser quand il marche. On va jouer avec la balance. D'un côté, des cadeaux. De l'autre, des personnes à faire monter. Si le poids des invités est supérieur aux cadeaux, vous perdez les cadeaux. Vous connaissez ce jeu? C'était le tout premier jeu de la toute première émission du Big Deal. Voici l'astro-balance. Venez là, Didier. Alors, on va déjà aller faire le tour des cadeaux, Didier. Volontiers, oui. Vous avez la place de mettre un téléviseur comme celui-ci chez vous? Sans problème, ouais, oui, bon. Ça passe, oui, oui. D'accord, vous habitez 600 mètres carrés à Avenue Foch. Non, c'est pas, tout à fait, pas ça, mais oui, oui. Une télévision avec le magnétoscope, le meuble, c'est du hi-fi, c'est du high-tech et ça vaut 13 870 francs. Le VTT, c'est un vélo de sportif et il vaut 6 295 francs. Une montre pour aller avec le VTT, avec des bracelets de rechange d'une valeur de... D'une valeur de 1 292 francs. Pour garder la forme, les haltères. Oui, ça vaut 430 000 francs. Il y a un peu de poids. Il y a de la masse, là, ouais. Un livre sur l'astrologie. Aussi. Alors, le livre sur l'astrologie, il le vaut, ça doit être une encyclopédie, je pense, ça vaut 1059 francs. C'est préfacé par Elisabeth Tessier. À cette fois, écho. Ouais, comment, ouais. Et une très jolie chaîne stéréo avec une collection de disques. Oui, alors là, j'ai pas envie qu'il la gagne puisqu'elle est trop jolie. Elle vaut 8204 francs. Oh. Ce qui fait un total de... Ouais, ça va m'énerver, ça commence très fort pour moi. 31 000 francs. Ouais, okay. Alors, vous allez aller dans le public et vous allez aller chercher 3 hommes, 3 femmes, tous majeurs. Ok, okay. D'accord. Si vous faites monter les 6 personnes sur le plateau et que ça ne descend pas, vous gagnez tous les cadeaux. Si malheureusement, ça descend, faut pas dépasser, on perd tout. D'accord. OK. Il y a allez, un chrono. Il y a un chrono de... Il y a un chrono pour trouver ces gens, il y a un chronomètre de 1 minute 30. 1 minute 30 pour amener 6 personnes. Allez, c'est parti. Monsieur. Monsieur. Madame. Soyez le bienvenu, quel est votre prénom? Marcel. Marcel, prenez place ici. Monsieur. Monsieur. Bonsoir, mademoiselle. Vous vous prénommez? Ingrid. Ingrid. Et vous? Stéphanie, bonsoir. Venez, venez ici. Venez là, venez là, venez là. Venez là. Quel est votre prénom? Yann. Yann, et vous? Bonsoir, Arnaud. Arnaud. Bonsoir, Céline. Céline, salut. Vous n'avez pas pris 3 boudins, hein? Bien. Venez, venez par ici, là, tous les 6, là. Voilà. Voilà. Mettez-vous à peu près en ligne, là. Comme ça. Très bien. Voilà. Allez. Faites bon, monter le premier. On va commencer par les dames. Allez, Céline. C'est Céline. Céline. Allez-y, Céline. Grimpez. Tout de suite, derrière, on va faire monter Stéphanie. Oui, Stéphanie. Stéphanie, allez-y. Attendez que Céline soit... Allez-y. Voilà, jusque-là, ça va. Voilà. Après Stéphanie, nous allons Ingrid. Ingrid, oui, oui. Ingrid, c'est parti. Et puis après, on va passer au tracteur. Oui.
Alors, allez. Allez-y. Marcel, Marcel, Marcel de Dieu. Marcel, approchez-vous les filles. Approchez-vous les filles, approchez-vous. Approchez-vous, voilà. A pas peur, a pas peur. Allez-y, Marcel. Monsieur. Voilà. Et on a gardé le plus gros pour la fin. Hop, chut, maintenant on arrête. Maintenant, on arrête. Rappelez-moi votre prénom. Arnaud, venez ici, Arnaud. Arnaud, c'est de votre faute. Quoi, bien sûr, Arnaud, c'est de votre faute. Didier. Oui. Ah là, effectivement. Là, on y est. Hein. On y est. Là, ouais. Ça part de là. Donc, où vous pensez qu'en rajoutant notre ami Arnaud, ça ne va rien changer et auquel cas vous gagnez tous les cadeaux. Sinon, là, si ça descend, c'est perdu. Ou alors vous vous dites, allez, je prends pas le risque, je prends le rideau. Non, je vais faire monter le jeune homme. Ça ira. Ouais. Vous allez faire monter le jeune homme. Attends. Regardons ce qu'il y a derrière le rideau avant de le faire monter, cet homme-là. C'est dommage, vous auriez pu en voir de toutes les couleurs grâce à ce magnifique kaléidoscope d'une valeur de 99 morts. Arnaud. Voilà. Respirez un grand coup avant. Et on y va tranquille. Et on y va tranquille. Hein. Allez, on y va. C'est gagné. C'est gagné. Eh, vraiment, il y a eu un moment où j'ai eu peur parce que, regardez, c'est à rien. Hein. Ah oui. C'est à rien du tout. Hein. On le retient comme ça. C'est l'équilibre parfait. Merci. Enfin, à quelques kilos près. Redescendez, Arnaud, commençant. Son bon son. Oui, Bill, c'est gagné. Ça va bien. Hein. C'est gagné. 31 000 francs est à piquer, là. Oui, je sais, ça m'énerve. 31 000 francs ou le rideau? Comment le rideau? Là? Parce que maintenant que vous avez gagné, moi je vous propose de rejouer tout ce que vous venez de gagner contre le rideau. Non, ça je peux pas faire ça. Non, je ne peux pas faire ça. Je garde, vraiment. Là, Sûr. Vraiment. Pourtant, s'il y avait une voiture, ça serait bonheur. C'est clair, mais je peux pas. Je fais confiance un petit peu aux gens là-bas. Qu'est-ce qui vous plaît le plus dans le jeu, là, dans l'eau, là, la télé finalement? Parce que j'aime beau télé, VTT, j'ai un petit peu tout ça, mais ça va renouveler. La chaîne CO est sympa. Oui, très bien. Maintenant, il y a peut-être une belle bagnole. Hein. Je vous mets pas la pression du tout. Hein. Non, je vois bien. Je peux pas, je prends ce que j'ai là. C'est dur. Allez, on fait comme ça, vous gardez ça et nous on regarde ce qu'on a mis derrière le rideau. Qui c'est qui va avoir les boules? C'est Bill. Car vous venez gagner de 31 000 francs, vous refusez le pèse personne d'une valeur de 259 francs. Et donc vous gagnez vos 31 000 francs et je ne vous aime pas parce que vous m'avez ruiné. Passez par l'escalier, on se retrouve tout à l'heure pour le Big Deal. Merci, bravo, joli jeu. Minitel, Bill, profites-en. Franchement, d'accord. Oui, je vais me venger, chers amis téléspectateurs du bon mondial des terriens. Il vient de me prendre 31 000 francs. Vous avez envie de me voler une voiture? Pourquoi ne pas essayer en faisant le 3615 code TFA? Ou alors tenter votre chance avec le téléphone en faisant le 08 36 66 90 03. Mais je peux vous dire que je suis énervé. À 31 000 francs, oulala, les boules. Merci, mon mobile. Nous enchaînons avec Florence pour notre deuxième deal. Florence, top 3. Oh, Florence, vous avoir ici, c'est notre chance. J'adore votre parfum. Merci. Ah ouais, c'est enivrant. J'ai fait exprès. Eh ben tiens. Vous êtes fiancée? Pas du tout. Ah, en plus. Voilà. Ouais. Célibataire? Oui. Ah. Ouais. Vous êtes venue toute seule? Non, accompagnée. Oui, mademoiselle. Voilà. Madame, qui c'est la grande sœur, la petite sœur? La petite sœur au milieu. Oui. Une amie qui m'a inscrite au jeu. Oui. Et ma maman. Et d'accord, maman. Soyez les bienvenues toutes les trois. Vous chantez? De temps en temps, oui. Oui, ça m'arrive. C'est pas obligé, hein, mais on aime bien, nous. Ouais. On la pousse, on fait quoi? On peut essayer, ouais. On chante quoi? Clo-Clo. Ouais, mais on chante quoi de Clo-Clo? Belle, belle, belle. Belle, 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 de Clo-Clo. Voilà. Belle, 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 Clo-Clo-Clo. Oui, oui, oui. Allez, allez, allez. Un jour, mon père m'a dit, fiston, je te vois sortir le soir. À ton âge, il y a des choses qu'un garçon doit savoir. Tu sais, les filles, méfie-toi.
c'est pas ce que tu crois. Elles sont toutes belles, belles, belles comme le jour. Belles, belles, belles comme l'amour. Bravo. Allez, voici Ramucho. Venez avec moi, venez là. Ramucho. Salut mon bon Ramucho. Bonjour Vincent. Ramucho, je vous présente... Florence. Florence. Bonjour. Il faut attendre un petit peu avant de dire son prénom, c'est ça? Oui. Florence. C'est important, marquez un temps. Ça va Florence? Ça va les filles? Oui, ça va bien. Salut Bill. Salut Ramucho. Tu veux bien mon ami Bill? Oui, je vais bien, mon copain. Eh bien, très, très bien, on s'entend très très bien. Alors, tu sais, Vincent, tu sais, comme tous les matins, il y a le facteur qui passe chez moi pour m'amener le courrier. Alors, je le trouvais bizarre, il était plus petit que d'habitude. Il me dit, tenez, voici des lettres pour vous. Effectivement, il ne mentait pas, il me donnait des lettres. Alors, des lettres comme ça, alors bon, je lui dis, tiens, qu'est-ce qu'il me fait, tu vois? Et puis, comme il était de petite taille, je me suis dit, tiens, ça doit être un imposteur. Tu vois ce que je veux te dire? Ah, oui. Alors, et en fait, je me suis dit, oulala, mais... il doit y avoir un message codé. Et en fait, avec les lettres, on pouvait écrire trois fois le mot colis. Alors je me suis dit, tiens, j'ai dû recevoir trois colis. Et puis effectivement, en me penchant comme ça, qu'est-ce que je vois de l'autre côté du portail? Trois colis comme ça. Alors je les mets comme ça. Alors je vais les ouvrir là en direct. Hein. Alors j'ouvre le premier. Ça sent bizarre, celui-là. Du fromage. C'est du brie. Ah ben c'est un colibri alors peut-être. C'est tout du matériel pour faire un pour construire un mur. Ah ben c'est un colimaçon ça. Et puis le troisième mais où c'était des bidards là. Ouh là là, il me regarde, non? Oh, il doit m'avoir dans le nez. C'est un collimateur. C'est un festival. On revient de loin, là. Alors, si vous arrivez, Florence, à découvrir... à la flûte traversière. Oui, alors, la flûte traverse aujourd'hui, mais elle traverse hier aussi. Tu ne s'arrêtera jamais, Vincent Toussaint, méfie-toi. Oh bah, flûte alors. Si vous découvrez ce qu'il faut, je sais pas, me faire un cadeau. Et Miliné. D'accord, Florence? Oui. Florence? Oui. Allez. Oui, c'est viens me boire un petit coup à la maison. Viens boire un petit coup à la maison. C'est une excellente réponse, Vincent. Ça y est, c'est gagné. Le rouge. Le rouge. J'ai mieux fait un festival en ce moment. Tu es la première sur toutes les listes, tu es merveilleux. Et la belle Jenny, vous cachez la boîte à clés. Et qu'est-ce qu'il y a dans la boîte à clés, Florence? Vous voulez le savoir, et donc vous saurez après. Parce que pour l'instant, c'est un mystère ici. C'est des boules de billes. C'est un mystère. Il faudra choisir au moment du rideau, ça. Ça sera la boîte à clé ou le rideau. Hein. Abonnez comme ça. Hein. Oui. Un dixième. Oui. La musica. La musica. La 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 la. Oui, il me semble que c'est la bonne réponse, celle qu'on attendait, c'est donc accordé. C'était la musica. La musica. La musica. Le orange, le jaune ou le bleu? Le jaune. Le jaune. Le jaune. Ah, téléphone. Eh bien, vous avez gagné ce magnifique téléphone cellulaire, donc plein de petites cellules, avec plein d'accessoires, avec en plus, ça c'est un petit porte-clés, tu vois, c'est très rigolo, c'est très très joli, hein. Et alors avec l'abonnement en plus, parce que pour un téléphone, il faut l'abonnement d'une valeur de 6982 francs, on dit merci Bill. Merci Bill. C'est chouette, je t'en prie Vincent. Ramucho.
Oui, quoi? Dis-moi quoi, Céline? Dis-moi, Céline. Ah, le gong a sonné, je n'ai pas entendu. Si, si, elle en a donné plein, mais c'est moi qui l'ai retenu. Elle a dit, Céline, dis-moi Céline, redis-moi Céline. Allez, Vincent, je te fais marcher. C'est un grand chelem, c'est gagné. Et allez, bleu. Le bleu. Alors, le bleu, qui est votre avis, plus celui du public, eh bien, vous avez raison. Vous partez dans un des plus beaux paysages du monde, puisqu'il s'agit de l'Irlande. Vous allez découvrir des montagnes, des nuages, des arbres et la mer. Et ça, c'est unique au monde. Oui, c'est extraordinaire. Et pendant 8 jours, vous verrez des chevaux, des maisons, des toits et des cheminées. Et ça vaut 14 400 francs. Donc, en tout, Céline, vous avez gagné, et ça m'énerve aussi parce que tous les candidats se sont ligués pour me ruiner. 21 382 francs, j'ai le bon, je meurs. Le rideau, ou vous gardez tous ces cadeaux? Je garde. Téléphone, la boîte à clés, ouais, et le voyage en Irlande. Partez avec votre copine là-bas. Je garde. Vous prenez pas le rideau? Non. Rideau! C'est dommage, vous n'aurez donc pas l'opportunité de découvrir ce merveilleux agenda électronique d'une valeur de 5 490 francs. Là. Vous préférez partir les chevaux au vent. Allez, ouvrez votre boîte à clés, pour peu qu'il y ait une voiture, ça sera la totale. Ah, eh bien non, il n'y aura pas de voiture, mais non. Non, elle vaut 15 francs, voilà. Donc merci en bien. Tout, la belle Florence a gagné pour 21 397 francs. Bon, on n'est pas déçus. Passez par l'escalier, on se retrouve tout à l'heure. Salut, Florence. Salut, Ramuccio. Au revoir, Ramuccio. Yeah! Pour le deal suivant, y a-t-il quelqu'un ici dans cette salle qui a envie de gagner du pognon? Ouais! Alors, vous avez à l'entrée chacun reçu un rouleau de ruban. OK? D'accord. Alors, vous allez en prendre une extrémité dans la main et vous allez jeter le ruban dans Dédé. OK? Faites entrer Dédé. Voilà, Dédé. Dédé qui vote à droite, Dédé qui vote à gauche. Voilà. Excellent jeu de mots. Très bien, voilà. Attention! Top, c'est parti! Allez, jetez! Allez! Oui, bah c'est pas terrible de ce côté. Ouais, joli. Top, c'est fini. Hop, terminé. Voilà. Attention, je t'aime. Un peu. Beaucoup. Passionnément, à la folie. Pas du tout. Je t'aime un peu. Beaucoup. Passionnément, à la folie. Pas du tout. Je t'aime un peu. Beaucoup. Passionnément. Prends-moi la pièce dans la poche. Prends la pièce dans ma poche, s'il te plaît, Patricia. Voilà. Oui. Non, la pièce, voilà. Merci. Voilà. Allez, Bill, c'est vous, face, c'est vous. Face, c'est vous. Allez, venez là. Bisous. Salut. Un autre. Quel est votre prénom? Aïssata. Gardez le micro. On va la faire jouer à quoi, Aïssata? Eh bien, nous allons la faire jouer au jeu des rubans. Puisque nous avons joué au jeu des rubans, jouons au jeu des rubans. On va jouer au jeu des rubans. Allez, on va essayer de... Venez avec moi, Aïssata. On va essayer de démêler les nouilles. Au bout des nouilles, il y a des cadeaux. Faites entrer le plat de spaghetti des Big Deal. Déjà, allez, venez là, c'est Aïssata. Aïssata. Aïssata ou Aïssata? Aïssata. Aïssata, vous avez ici 8 bouts. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. OK? Vous allez en tirer 5. Vous allez les tirer fort et loin. Et si c'est le bon, ça soulèvera un découvercle et vous gagnerez ce qu'il y a en dessous. OK? Allez, soyez saison 1. Et c'est parti, tirez. Allez-y. Non, un seul. Celui-là, déjà, tirez celui-là. Ouais, Aïssata, joli! Aïssata, vous gagnez un ensemble à fondu. Eh bien oui, un très beau service à fondue savoyarde d'une valeur de 585 francs. Ça commence très fort. Très bien. Allez, Aïssata, un deuxième. Allez, tirez fort. Faut tirer très fort. Hein. Allez-y. Non, pas trop, c'est bon, y a rien là. Y a rien, elle va nous emmener le truc à la porte de la chapelle tout à l'heure. Alors, ça fait deux, hein, déjà. Voilà.
On va tirer celui-là. Ouais, joli. Alors, qu'est-ce que c'est pour le vivant? C'est bon. Un appareil photo. Un appareil photo d'une valeur de 2990 francs qui, en plus, est numérique. Ça m'énerve. Ça m'énerve. On va faire la troisième. Ouais. Oh non. Je ne sais pas qu'elle a trouvé le caméscope en plus. Bon, oh non, bon, caméscope à 4990 francs, ça suffit. T'es balèze, Aïssata. Sur ma vie, les yeux des enfants, la vie de Tata Rachel, comment tu es fort? Arrêtez, Aïssata. Voilà, on en a tiré 3 ou 4? 3. 4. On en a tiré 4, Vincent. 4. Et pour l'instant, notre ami Aïssata vient de gagner pour 8565 francs. Ok. C'est pas mal, je... Alors, il y en a encore un à tirer. Ou vous vous dites, il y a peut-être encore mieux, ou déjà ce qu'il y a là, ça me plaît, et vous continuez. Soit vous vous arrêtez, ou vous prenez le rideau. Et j'ai les 8000. Là, pour l'instant, vous avez gagné ça. Si vous prenez le rideau, vous gagnez ce qu'il y a derrière le rideau. Si vous continuez, vous gagnez ça, plus ce que vous allez découvrir à nouveau, puisque vous en serez encore une. Garde. Je garde. On garde? Oui, je garde. Regardez ce qu'il y a derrière le rideau. C'est dommage, il fallait le jouer le rideau car il y avait un magnifique vidéo baladeur d'une valeur de 14 990 francs. Alors, tiens, dernier. Allez. C'est dommage. Le der. Le dernier. Et un réveil. Il est tombé. Oh, non, un yo-yo. Un yo-yo, oui, elle l'a trouvé d'une valeur de 69 francs. Super génial, terrible. C'est bête, donc, hein. En tout, notre ami Aïssata, Aïssata a gagné une somme totale de 8634 francs. Le dernier cadeau, c'était... Ah ouais. Un ordinateur portable, un petit ordinateur tout petit et portable. Ouais. D'une valeur de 10 000 francs quand même. Bon, vous avez gagné pour, quand même... Tenez la sucette. 8634 francs. 8634 francs. Alors ça, vous pouvez les garder sous forme de cadeau ou les rejouer. Et vous prenez le rideau. Garde, je dis garde. Et vous gardez. Vous pensez pas qu'on a mis une voiture derrière le rideau? Vous n'avez pas besoin de voiture? Choisissez. Il faut se décider. Aïssata. Vous gardez. Ok, regardez ce qu'il y avait derrière le rideau. Vous avez perdu la voiture. Mais non, je rigole. Vous avez perdu puisque vous avez les jeux de sort et les mini-roulettes de casino d'une valeur de 315 francs. C'est bien. Allez, vous êtes arrivés par le public, vous allez repartir par la passerelle parce qu'Aïssata, on se retrouve tout à l'heure pour le Big Deal. Salut à vous, merci de votre visite. Le jeu de Bill, c'est Emmanuel qui s'y colle. Emmanuel pour le jeu de Bill. Bien. Et vous-même? Dans l'ensemble, bien. Bien. Je vous attendais depuis début d'après-midi, mais vous êtes arrivé à la bourre, alors évidemment. Emmanuel, Bill, Emmanuel. Bonjour, Bill. Je vous attendais depuis le début de ma vie. Voilà. Ah, d'accord. Faites quoi dans la vie, Emmanuel? J'effectue actuellement un BTS Action Commerciale en alternance. Donc, je fais une partie en cours et une partie en entreprise. Voilà. Vous avez déjà le pied dans la vie active? Oui. Vous êtes marié? Non, je ne suis pas mariée. Vous avez un fiancé? Oui, tout à fait. Zut. Il est là? Oui, il est là. Oh, zut. Ah, le bel homme. Salut à vous. Il fait quoi cet homme-là? Il est commercial. Très bien. Ah, oh, mais une famille de commerçants, ça. Vous connaissez le jeu de Bill? Oui. Allez, mettez le casque sur vos oreilles. Et si vous découvrez du premier coup, eh bien, vous gagnez 10 000 francs. Et puis après, on enlève 1 000 francs chaque fois jusqu'à ce que vous ayez plus de pognon sur votre compte. Uh-huh. Bougez pas. Oui. Je fais ça très bien. Bill, on t'écoute. Que faut-il découvrir aujourd'hui? Aujourd'hui, mon ami Vincent, que dirais-tu de découvrir un objet? J'achète. Très bien. Vendu. Premier indice. Il arrive. Alors, phonétiquement, pour un ébéniste, je suis une essence. Oui, c'est bien. C'est bien, tu l'as très bien dit, tu es belle. Oh, merci, Bill. Je t'aime. Moi aussi, Bill. Alors, nous on dit aucune idée. Aucune idée, c'est incroyable. C'est pas la bonne réponse. Phonétiquement, pour un ébéniste, je suis une essence. Allez. Le deuxième va vous aider. D'accord. Bien. Alors, je suis une forme idéale de travail pour l'américain Taylor. Taylor. Oh. We say Taylor in English. Oh, les définitions, là. Oh non, c'est facile, là. Non, je sais pas. Un objet. Je suis une forme de travail idéale pour l'américain Taylor. Non, vraiment pas. Troisième indice. Viens, c'est à toi de jouer, ma belle.
Je suis un des points communs entre le vélo et la hi-fi. Ah, joli. Très joli indice. Très joli indice. Ouais, ah, d'accord, ça y est. Le public a trouvé. Hein. Le vélo, ouais. La hi-fi. Ouais. Une chaîne. La chaîne. Ouais. Et voilà la réponse que j'attendais. C'était une chaîne, tout à fait. Phonétiquement, ah, pour un ébéniste, je suis une essence, l'essence de chaîne. L'essence de chaîne, une voix de chaîne. Voilà. Je suis une forme de travail idéal pour l'Américain Taylor. L'Américain Taylor est celui qui a inventé le travail à la chaîne. Je savais pas. Ou autrement dit, la taylorisation. Vous le saviez, ça? Oui. Je... Voilà. Oui, vous le saviez. Et le dernier indice, c'était? C'était la une, en est une, chaîne. Et je suis un des points communs entre le vélo et la hi-fi, la chaîne stéréo, la chaîne de rue. OK. Bon, ça nous fait 8000 francs. Ça nous fait la possibilité de rejouer. Et ça nous donne le choix entre l'écran ou le rideau ou de garder les 8000 francs. Ah, c'est dur. Ah oui, c'est terrible. C'est rien par rapport au Big Deal. Hein. Tout à l'heure, si vous êtes sélectionné pour le Big Deal, ça va faire mal. Hein. Non, je garde. Vous gardez vos 8000 francs, ouais. C'est sage, mais on peut être un peu fou. Hein. Non, je garde. Sûr ? Ouais, ouais. Regardez ce qu'il y avait derrière le rideau. Derrière le rideau, c'est dommage, vous auriez pu voir Bill et Vincent en 16/9 stéréo, son numérique en couleur, ça c'est génial la couleur, et ça valait 9 980 francs, ça dommage. Dans l'écran, c'était les bonbons, on s'en fout, on se retrouve tout à l'heure pour le Big Deal, passé par l'escalier, merci de votre visite. Merci. Après le jeu de Bill, le coup de téléphone, allô? Allô? Bonsoir. Bonsoir. Puis-je connaître votre prénom? Stéphane. Ok, Stéphane, je vous pose une question très simple, vous avez le temps de la pub pour me donner une réponse. D'accord. Quelle est la capitale du Brésil? D'accord. Quelle est la capitale du Brésil? 5000 francs si vous me donnez la bonne réponse après la pub, ok? D'accord. Alors, pub. Le Big Deal, ça change tout avec Monsieur Meuble. De retour sur le Big Deal et nous sommes avec au téléphone, je crois. Allô ? Stéphane. Stéphane, vous êtes toujours là ? Je suis toujours là. Et je vous ai posé la question très simple mais piégeuse : quelle est la capitale du Brésil ? Et vous me répondez ? Et je vous réponds, ben c'est Brasilia. Exactement, et non pas Rio comme on pouvait s'y attendre. Brasilia, vous gagnez 5000 francs, Stéphane. Super. Vous connaissez le principe du Big Deal ? Ben oui, c'est soit je garde, soit c'est le rideau. Soit vous. Voilà, en deux mots, c'est ça. Ben non, je vais sachant que derrière le rideau, il y a une bagnole ou une botte de poireaux. Non, je joue la sécurité, je vais les garder. Je crois que c'est ça, j'ai écouté ce qu'il y avait derrière le rideau. Et non, c'est complètement fou, vous perdez l'objet le plus remarquable de l'émission. C'est un magnifique répondeur de téléphonique qui a une valeur de 250 francs. On a vachement bien fait. Stéphane, je vous souhaite une excellente soirée, c'est un très bon choix. Ben, je vous remercie, et puis très bonne soirée à vous aussi, et au public, et... C'est très gentil à vous. Au revoir. Merci. Salut à vous, Stéphane. Il est une chanson que Fernandel se plaisait à chanter. Une partie de pétanque. Ça fait plaisir. C'est surtout que ça va nous faire le cinquième deal. On est parti avec les boulistes. Stéphane, Victor et Daniel, approchez. Stéphane, c'est lequel, celui qui est enfermé? Stéphane, soyez le bienvenu. Non, Stéphane, Victor. Vous, c'est Stéphane. Oui. Stéphane, soyez le bienvenu. Vous, donc, c'est Daniel et on a Victor qui est content d'être venu. Eh oui, là, dans l'ensemble, ça va? Vous êtes assez content d'être venu? Oui, ça va. Alors, oui. Surtout, il y a un truc qui est très important, je vous l'ai dit tout de suite, ne lâchez jamais les mains, oui, oui. Quoi qu'il se passe. Hein. D'accord. D'accord. Vous allez jouer au boule, mais vous avez le beau rôle, vous. Parce que là, oui. Hein, ma boule? Oui. Il est content, ma boule, oui. On va le balancer, la boule. Alors, vous avez une boule d'acier, un peu à la Mad Max. Il va falloir la lancer le plus fort possible, tout d'abord de la limite bleue. Puis deuxième lancer de la limite jaune, puis troisième lancer de la limite rouge, puis quatrième lancer de la plateforme. Chaque fois que vous allez percuter ou désocler une boule grise, Bill vous offrira la somme de... C'est 1000 francs les boules grises. Voilà, 1000 francs la boule grise. Et la boule dorée... Eh ben celle-là, là, on va là, ça va... 5000 francs, Vincent. 5000 francs. Vous avez droit à combien de lancers, Bill? 5 lancers. 5 lancers, ok. Alors, un se met ici, l'autre se met de l'autre côté. Un rotateur. Alors, vous faites comme vous sentez. Le premier jet, c'est pas souvent le meilleur. Vise bien. Ok. Allez, quand vous voulez. Parti, Victor. Allez, allez, bien fort. Hein. Allez. Yeah. Ah, non, sorti du cas.
façon, je l'aurais peut-être pas accepté pour les vivants. Oui, faut pas, descendre de la. Ah, ça arrête. Ah, oui, je vous ai dit, hein, vous n'avez pas le droit de sortir du bois d'arbre. Bon, ça va, Victor? Ça va, mais enfin, il se passe pas mal. Oui, là, vous êtes vraiment mauvais, sur ce coup-là. Là, c'est gros naze. Moi, je vous conseille de le laisser partir en arrière. Mets-le comme ça, là, un coup-là. Oui, en arrière, on n'a jamais fait, c'est bien aussi. Voilà, de la zone jaune, de là. Allez, deuxième lancé. Et trois. Ah, ils y retournent, hein, ils y retournent. Bon, allez, ramenez pour un tour. Eh, faut en faire un point, là, les filles, là. Qu'est-ce que vous faites, là, voilà. Allez, de la zone rouge. De la zone rouge. Voilà, remettez le face à la porte. Attention, on va trop. Ouais, c'est bien, ça va pas plus, voilà. Pas plus. Voilà, sinon, on va. Il a pas l'air bien, Victor, Vincent. Là, Victor, comment ça fait, mec, il va tourner un rose bonbon, là. Allez. Alors, 1, 2, et 3. Ouais, on est bon, là, on est bon. On va peut-être en faire 3 d'un coup, là. Chouf. Une. Qu'est-ce que vous avez fait? Bien joué, elle a été magnifiquement évitée. Bien. Alors, là, Victor, vous avez encore 2 lancers. Seulement, vous êtes qu'à 1000 francs. Est-ce que vous tentez le tout pour le tout? Vous rejouez 2 coups et puis vous gagnerez ce qu'il y aura de des sauts-clés. Ou alors vous laissez tomber, vous prenez le rideau. Sans poste, Totor. Totor! Tu veux rouler encore? Totor, il roule. Totor, il roule. Allez, on y va. Allez, on y va. Il roule? Allez, il roule. Il roule. Avant, ils écoutent ce qu'il y a derrière le rideau. Ça va juste vous mettre les boules, ça. Mais ça aussi, ça doit c'est rouler. C'est parti, le rideau s'ouvre, mesdames et messieurs. Ils vont avoir les boules car ils l'ont perdu. Les 4 roues avec le volant, la magnifique voiture à 55 900 francs. Ça valait le coup de jouer aux boules parce que ça vous les met sévères, messieurs. On va te faire rouler. Je suis content, moi. Il y a encore 2 lancers. Hein. Okay. Allez, Totor. Allez, on descend pas de la plateforme, hein, les enfants. 2 lancers. Alors, 1. Bah là, c'est toujours. Ouais, 2 et 3, on y va. Et 3. 3. Oh, on est bon. Eh non, il y retourne. Hein. Il y retourne. Ouais, qu'il est. Ouais, joli. Oh, quelle force. Ah non, mais lui, faut le vous voyez. Hein. Tu rentres dans ta bagnole, tu dessus des pieds. Hein. Oh, oui, c'est bon. Dernier lancé. Oh, Totor, il est dans un état, elle casse en travers. Allez. Quand vous voulez, les enfants. 1. 2. Et 3. Ouais, il y va, c'est gagné. Ah, mais 2 fois la même, dis donc. Ouais, 2. Bon, allez, arrivez. On va libérer Victor, libérer notre camarade. Et nous, on va se retrouver sur le plateau pour savoir si vous gardez vos 2000 balles ou si vous les échangez contre le rideau. Tout ça après la petite annonce de Bill, mon bon Bill. Mon bon Vincent, comme tu es aimable avec moi. Oui, chers amis téléspectateurs du monde mondial des terriens. Vous le savez, nous sommes bientôt Pâques et Jeff de Bruges offre à tous les candidats finalistes un lot de chocolat, dont un Droupi. Vous savez, Droupi, à faire plaisir aux petits terriens, ça. Sacré Droupi. Et je vous rappelle que tous les finalistes du Big Deal ont aussi gagné un abonnement de 1 an. Mais à qui et à quoi? Mais à lui. Notre ami, comment vas-tu aujourd'hui? T'as vu, j'ai été ruiné, j'ai été même pratiquement volé, hein, tu as remarqué. Hein. Et toujours grâce au magazine Télé Loisirs, vous pouvez gagner un séjour au Kenya pour 4 personnes. Oui, regardez, il est là, il va arriver, voilà. Vous voyez, il y a l'éléphant et puis il y a le popotame. Non, c'est pas un popotame, c'est un kangourou, c'est un kangourou. Il vous suffit de résoudre l'énigme dont voici mon indice. En toute occasion, je sais me faire entendre. Si vous avez trouvé pour participer au tirage au sort, envoyez très très vite votre réponse sur bulletin Télé Loisirs ou sur papier libre à l'adresse qui est indiquée juste devant moi. Voilà. Et maintenant, nous allons l'accueillir. Qui? Eh bien, les boulistes et bien sûr Indiana Jones en personne, c'est-à-dire Vincent Lagaffe. Indiana Jones. Voilà. Merci, Vincent. De rien, ça a été un plaisir. Bon, 2000 francs, eh, balèze, hein. Totor, non, Totor, il est faux sur ce coup-là. Incapable de diriger. Il s'est laissé balader, lui. Il s'est laissé promener. C'est son poids, je crois. Vous faites quoi dans la vie, Victor? Je travaille à la RATP. Très bien, et vous? Pareil. D'accord. Qu'est-ce qu'on fait? On garde les 2000 balles ou on les rejoue? Sachant que vous avez déjà paumé la bagnole. Hein. Bon, on les rejoue. On attend après. 2000 francs, je sais pas si vous n'êtes pas à la ramasse. Je crois que vous êtes les derniers à 2000 balles. Ouais, maintenant, peut-être qu'il y a pire et vous serez complètement les derniers. C'est ça, lui, à 2000 francs, sont les derniers. Oh, c'est un scoop, attends, mais c'est vrai. Quitte à être les derniers, autant jouer. Ouais, moi, je crois que c'est comme ça qu'il faut le prendre. Un dernier pour dernier. Allons-y. Okay. Allez, on prend le rideau.
Ils sont fantastiques, ils sont géniaux, ils l'ont gagné, les poulistes. Cette collection de cassettes de Marcel Pagnol, d'une valeur de 575 francs. Vous êtes les amis, je vous aime. Allez, venez par là tous les trois et on laisse rentrer la barre du Big Deal. Oui, c'est le Big Deal présenté par Indiana Jones en personne avec en première position Didier, le jeu de l'astrobalance, 31 158 francs. Deuxième position, Florence, le top 3, 21 397 francs. Troisième position, Aïssata avec 8 634 francs. Quatrième position, le jeu de Bill et Manuel avec 8 000 francs. Et enfin, dernier, mais alors vraiment très loin, très loin, très loin derrière avec 575 francs, Stéphane, Totor et Daniel. Victor. Vous avez gagné, vous ? Je crois que c'est un petit peu plus de 30 000 francs de cadeaux. Ouais, télé, il y a un petit peu de tout. Là, vous avez fait Big mais Deal. J'hésite. Ouais, ben vous pouvez. Non, j'hésite pas. Non, je suis très très content, j'ai été gâté et je reste comme ça. Bravo, salut à vous. Annie. Florence. Florence. Qu'est-ce qu'on fait ? Non, je garde. Vous gardez ? Ouais. À bientôt. Salut. Hey, alors vous, c'est tout bénef parce que vous étiez simplement venu voir l'émission. Ouais. Alors, vous avez gagné quoi ? 8 000 francs de cadeaux. Qu'est-ce que vous faites, vous, si on vous donne la possibilité de rejouer ? Vous gardez ? D'accord, je ne vous pose pas la question. 8 000 francs. Attention à la pas du gain. Faites ce que vous voulez, mais à trop en vouloir, on se retrouve avec rien parfois. 8 000 francs. Je préfère garder. Vous préférez garder ? Ouais. Je crois que c'est sage. Je crois que c'est sage. Je préfère. Salut, Asina. Merci d'avoir joué avec nous. Trois cassettes vidéo. Une chacun. Une chacun, oui, parce que c'est pas trois chacun, hein, c'est trois à se partager. On va les garder. Ouais, je crois que c'est sage. Bravo. Moi, je veux qu'on applaudisse ces gens qui ont su. Allez, passez devant. Ah, il a souffert du doigt, il va souffrir des neurones maintenant. C'est monstrueux, là. Quand on se retrouve ici, c'est l'horreur, là. Je suis sûr que tous les trois, ils se sont dit, ouais, quand on va y aller, attends, au Big Deal, le petit chauve, s'il commence à nous gonfler, on va te le remettre à sa place. Puis là, ils sont tous les trois, bon, mais ça part de là. Allez, allumez le tableau. La sœur avec le nuage, le frère avec le perroquet, la mère avec le sapin. Je pose la question au public. Attention, à main levée, qui prendrait la sœur ? Le frère ? Et la mère ? La mère et la sœur sont en ballotage. Florence. La sœur. Vous auriez pris la sœur. La mère. La sœur. Le frère. La mère. Qui est la mienne ? La mère. On va prendre la mère. La mère. Non, pas la mère. Bon ? Ouais. Prenez le temps de réfléchir. Vous jetez pas comme ça bêtement. Allô ? La mère. Mais comme on est boulis, on dit la bonne mère, alors on va prendre la mère. C'est vrai. La mère. Alors, la mère. Victor, il est même pas au courant que le jeu a commencé. Alors, on boit un coup, on fait quoi, là ? La mère, alors ? La mère. Ça vous la va, mère. Victor ? Oui, la mère. Oui. Vous prendriez quoi, comme ça, vous-même ? Bon, la mère. La mère, vraiment ? Vraiment. Pas pour faire plaisir aux copains. Non, vraiment. Vous aussi ? Vous hésitez pas, vous ? Moi, j'hésite, ouais. Ah, oui, il hésite. Moi, j'hésite, mais bon. Il hésite entre la quoi mère, et toi ? Tous les deux, la fille. La fille, la mère et la fille, voilà. Et tout de suite, là, il y a un doute, maintenant. C'est la deux filles, en fait. Ben ouais, mais justement, par amour pour ses filles, il pourrait prendre la fille. C'est horrible, ça, quoi. Ah, il s'excelle. On la met très bien. La mère ou la fille ? On est deux pour la mère. On la fait les dames. Ouais, mais l'amitié, c'est pas à main levée. L'amitié, c'est ensemble. J'irai pas comme les cinq doigts de la main, parce que déjà, j'ai combien de copains, là. On dit la mère comme nous, comme ça, on prend la mère. La mère. On garde la mère. Imaginez que ça soit la sœur. Ah ouais, mais... C'est fini, façon, les parties de boules. Les boules, ils vous les jettent à la gueule. Je t'avais dit de prendre la sœur. Bon, apparemment, le frère vous intéresse pas. Non. Regardez ce qu'il y a derrière le frère. C'est là qu'il y a la bagnole. Là, c'est clair. Derrière mon petit frère, il y avait... Oh là 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 là, les boules. Elle était là, la voiture. Eh oui, mais rassurez-vous, personne n'avait choisi le frère et elle valait 62 850 francs.
Jolie patte dans ce Bon, alors, comme on dit, maintenant, on va essayer de sauver les meubles. Une mallette de boule. Ah oui, là, à mon avis, le poireau, c'est une mallette de boule. Peut-être ça sera de la bleue, mais... La mer. La mer. Vous vous êtes déjà tous plantés. Alors peut-être que sur le lot, maintenant, il n'y en a que deux qui se plantent. Peut-être qu'il y a un voyage à Las Vegas pour le championnat du monde de boules pour trois personnes. Je sais pas, je dis ça totalement au hasard, mais... On reste sur la mer. Alors, on reste sur la mer. Ouais, on reste sur la mer. Restez sur la mer. On reste sur la mer. Regardez ce qu'il y avait derrière la sœur. Derrière ma petite sœur, il y avait un cadeau que vous ne pourrez pas diviser en trois. Je suis désolé, mais des pâtes à roulettes, c'est plutôt difficile. D'une valeur de 389 francs. Vous gagnez ceci. Et ceci, nous ne pourrons pas le diviser en trois non plus. J'espère que vous ne vous battrez pas quand vous serez les euros propriétaires de ce scooter. D'une valeur de 10 320 francs, de 50 centimètres cubes de puissance. Ça fait 3100 balles chacun. 3400 balles chacun. C'est bon. On a bien joué, on s'en sort bien. La voiture était là. Les filles aussi. Le public est encore là et va bientôt nous quitter pour rentrer chez lui pour aller dîner. Bill va passer la nuit dans sa soucoupe, une de plus. Un jour peut-être sera-t-elle réparée, un jour peut-être partira-t-elle, je ne sais pas. Et bien chez nous et nous t'aimons bien chez nous. Bonne soirée, bon appétit, salut à tous. Au revoir.